Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des différents petits projets que vous pouvez avoir en complément d'un revenu ou pour vous lancer en agriculture. Je réitère mon conseil, c'est-à-dire que si vous souhaitez vous installer à la campagne, et je suis pratiquement le seul Français sérieux ayant un diplôme, enfin des connaissances en agriculture approfondie, puisque j'ai fait une formation en agriculture bio de BTS AXE en 2 ans, et que je pratique depuis plusieurs années que je suis ici. Moi je vous recommande de venir vous installer là où je suis, afin de lancer un projet, de ne pas être lâché seul dans la nature. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Si vous voulez vous installer, vous avez le choix dans plusieurs activités. Le mieux, c'est d'avoir quand même eu une expérience dans ces activités-là, pour éviter les déboires du débutant. Ou alors, si on s'installe, vous installez près de moi, on pourrait travailler ensemble et je pourrais vous driver sur tous ces sujets. Aujourd'hui, je m'adresse principalement à ceux qui voudraient venir s'installer à la campagne. Avoir peut-être une activité de travail à distance et se créer un revenu complémentaire avec des produits agricoles qui permettraient après d'aller vers une plus grande échelle et de pouvoir s'installer à temps plein ou au moins 3 quarts temps sur cet atelier. Je vais vous parler des projets à 5 000, 10 000 euros d'investissement, d'accord, qui nécessite pas des milliers d'hectares, bien sûr, on va dire sur un maximum 1 ou 2 hectares, 1 hectare en général étant largement suffisant. Pour la terre, vous pouvez la louer, ou nous pouvons mettre en place, si vous venez, un système où moi je prends sous ma responsabilité le foncier, et puis vous en bénéficiez. On va dire soit une location, soit on le met dans une coopérative, et voilà. Principalement, les choses les plus simples à commencer, mais qui demandent quand même d'avoir 1 an ou 2 avant la mise en place, avant la récolte, ce sont les petits fruits. Fraises, framboises, cassis, etc. C'est très demandé, ça demande quand même un problème de main-d'œuvre si vous voulez mettre sur 1 hectare. Donc si vous commencez sur 2 000 mètres carrés, bien vous commencez petit, vous testez, et après ça vous permet de vous agrandir, d'aller plus loin par la suite, parce que ce sont des activités qui demandent soit de la mécanisation soit des bras. Il y a tout un tas de techniques qui sont possibles à mettre en place, c'est-à-dire de faire venir des grands-mères, les grands-mères, les grands-parents, enfin, toutes les personnes âgées s'ennuient chez elles. Si elles peuvent gagner un peu de sous, elles sont prêtes à venir, même à dormir dans des tentes. Enfin, voilà. La grand-mère russe est un petit peu tout terrain. Donc c'est pas la petite jeune moderne là, qui va en ville et qui a des ongles comme ça. Et c'est difficile à vivre à la campagne avec des ongles rallongés. Et puis il n'y a pas de théâtre, hein, voilà, c'est pas intéressant. Mais voilà, les grands-mères, on nous a proposé une fois de faire venir deux bus de personnes à la retraite qui viendraient ramasser presque gratuitement du moment qu'on les nourrit et qu'on les loge. Et encore, le logement, on pouvait faire des grandes tentes, enfin bref. Ça c'est une possibilité. Les petits fruits, commencez petit, puis en fonction de la charge de travail que vous allez évaluer, vous allez pouvoir vous rendre compte jusqu'à où vous voulez vous étendre. La taille au-dessus, c'est les volailles. Les volailles, moi je conseille les oies, les canards, parce que ça part pratiquement. Les canards peut-être un peu moins, mais les oies c'est sûr, ça part à Noël. Donc vous pouvez acheter les petits, ça coûte 250 roubles. Pièces, hein, les poussins, et puis vous les faites grandir. Donc vous rajoutez l'aliment. Les oies, ça mange quand même pas mal d'herbe, donc c'est bien d'avoir un terrain assez grand, d'en prendre entre 50 et 250, on va dire, pour commencer.
et puis de continuer comme ça à vous agrandir, à garder peut-être quelques couples pour qui vont faire des œufs que vous pourrez mettre en couveuse ou qui vont élever eux-mêmes pour essayer de renouveler une partie du cheptel et pas acheter tous les ans autant de petits poussins. J'ai oublié de dire pour les fruitiers, donc en fait pour ce qui en général c'est entre 200 et 500 pieds à l'hectare, hein. Donc un pied coûte environ entre 300 et 600 roubles le pied à installer de le petit arbuste, le petit fruit. Donc vous pouvez comment évaluer à peu près le budget qui va être autour de 5 000 euros. Pour les animaux, bien vous pouvez jouer avec le nombre d'animaux pour rester dans cette fourchette-là. Peut-être d'aller jusqu'à 10 000 euros si vous voulez un petit peu quand même pas des bâtiments, mais moi je conseille de faire d'acheter des filets qui sont quand même chers. Des filets électriques qui permettent de faire plusieurs enclos et d'avoir plusieurs groupes d'animaux, c'est-à-dire tous les mois d'en prendre pendant 2-3 mois avec un espace d'un mois pour échelonner les ventes et puis aussi pour pouvoir faire tourner pour pas que les bêtes enfin, déjà se contaminent de trop avec les parasites et puis pour faire du pâturage tournant comme on dit. Donc ça c'est intéressant. Les animaux au-dessus, ça va être les moutons. Les moutons, alors vous pouvez trouver de tout, hein, ça va de 25 000 roubles la bête à 120 000, donc à 1 200 euros. Pour des moutons de très bonne race, de très bon rendement, ce que vous trouvez à moins, ça va être de la Romanov. Alors ça fait 3 moutons par an, mais il n'y a rien à manger dessus. Ça chope des parasites, ils ont tout ça dans les villages, mais ils ont été croisés, la génétique était croisée entre eux, donc la génétique est très mauvaise. Donc moi je recommande de prendre du Suffolk, là j'ai trouvé quelqu'un qui avait du Suffolk. Pourquoi pas se diversifier avec du Mérinos. Voilà, des moutons à bon rapport qui vont être un peu plus chers à l'achat, mais vous pouvez en acheter peut-être 5 et un bouc. Un bouc. Les boucs, c'est pour les chèvres. Je trouve plus mes mots en français. Bref, vous achetez les brebis, vous les faites monter, et puis vous agrandissez votre cheptel. Voilà. Comme les brebis, ça a environ 2, entre 1,5 petits et 2. On va dire 2,2 selon les races. Le troupeau s'agrandit assez rapidement et puis vous gardez que les femelles, vous faites grandir les petits mâles et puis eux ils partent pour la viande. Ensuite, tout ce qui est laitier, bon je ne recommande pas parce que c'est des gros investissements. Seulement si vous avez l'argent et si vous voulez vous installer avec moi. Nous pouvons en discuter, mais pour l'instant, j'ai trouvé personne de sérieux qui aurait l'envie de s'associer. Donc voilà. Et puis, c'est des projets plus gros, donc vous n'allez pas venir tout de suite avec un gros projet. Vous allez commencer petit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la transformation maintenant. Alors, le problème, c'est trouver de la bonne matière première. Et la transformation, vous avez. Donc, le fromage, j'en parle pas, puisque. Le problème, c'est trouver le bon lait et qu'on tourne en rond avec. Il faut les investissements pour avoir ces bêtes. Plutôt ce qui est viande, la transformation viande, faire des rillettes, faire du jambon, transformer du cochon. Ça, c'est intéressant. Avoir quelques cochons, c'est aussi intéressant en prenant un petit peu en prenant deux races, du blanc landiras pour avoir un gras un peu plus intéressant et puis il y a donc beaucoup de mangalitsa et le mangalitsa fait une viande très équilibrée donc mais pour faire du saucisson il faut mélanger les deux donc de faire des transformations voilà de produits à haute valeur ajoutée les cochons c'est pareil c'est pas trop cher
C'est bien les mangalitsas parce qu'ils vont au pâturage. Si effectivement j'arrive à monter le projet fromagerie, eh bien, vous aurez du petit lait et là ça devient très très intéressant économiquement. Voilà, donc c'est des projets, tout ça à 5-10 000 euros. Il n'y a pas de produits de charcuterie de bonne qualité. Ce que font les paysans ici, les trucs faits maison, ça a le même goût que les trucs industriels. C'est pas meilleur, quoi. Parce que c'est les mêmes recettes, puis c'est des recettes qui sont pas terribles, quoi. Ils ont pas la, y a pas la, comment dire, y a pas les 2000 ans d'expérience que nous avons en tout cas en France sur la charcuterie. Donc ça c'est une bonne niche. En fait, il faut faire que des choses de niche qui vont permettre d'avoir une clientèle stable, de bien valoriser vos produits et puis de voir si vous voulez vous aller plus loin, vous agrandir, en faire plus, etc. Passer plus de temps à faire ça. Donc ça, c'est pour les projets agricoles. C'est à peu près ce que je vois. Il y aurait possibilité, si vous avez les petits fruits, de vous diversifier et faire des glaces, rajouter, commencer à avoir des produits transformés en deuxième possibilité. Le lapin, ça a été intéressant, mais j'ai pas vu, je ne connais pas les Russes qui surveillent parce qu'il y a des véhicules qui passent. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Il y a pas beaucoup, enfin, j'ai pas remarqué beaucoup d'amateurs de lapins. J'en ai pas vu beaucoup sur les tables depuis que je suis en Russie. Donc il y en a qui en font. Moi, je suis pas fan parce que c'est quand même beaucoup de risques et beaucoup de travail. Le lapin, donc voilà. Alors que là, je vous recommande des choses. Bon, le cochon, il faut quand même les nourrir 2 ou 3 fois par jour. En tout cas, le mangalitsa, ça peut être que 2 fois s'ils sont au pâturage. Bon, c'est plus léger. Bien sûr, si vous les mettez en extérieur, ça devient un peu plus léger. Il faut les rentrer le matin et le soir, il faut être là. Donc ça aussi, c'est contrainte. Il faut être deux, hein. Ce sont des projets agricoles, il faut être deux minimum. Pour pouvoir se relayer, s'il y en a un qui est malade, s'il faut aller à la ville, si vous avez des enfants en plus, il faut que bon, votre compagne s'occupe des enfants. Alors elle peut vous aider, mais elle n'est pas à temps plein non plus avec vous. Tout ça, c'est à prendre en compte. Donc voilà, pour les petits projets de base, pour vous permettre de vous projeter. Je ferai peut-être quelque chose sur les projets en ville, mais bon, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je vous oriente pas dans cette voilà. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, j'ai fait bouger la caméra, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos, de lire bien l'intitulé qui raconte un petit peu ce que je fais, etc. Vous avez tout en description, pratiquement. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Mon compte Revolut fonctionne. C'est plus simple pour vous, ça vous évitera de payer des frais. Les frais, ça sera plutôt pour moi, à la charge, quand je rapatrierai les sous vers chez moi, vers la Russie. Mais ça me permettrait aussi déjà d'acheter. Il manque des livres très importants que je voudrais acquérir. Par exemple, du filet électrique, ben, ça, il n'y en a qu'en Europe. En Russie, ça coûte les yeux de la tête. C'est presque moins cher de les acheter en Europe pour les faire venir. Il y a des tas de petites choses que voilà, je peux encore commander en Europe et votre soutien est le bienvenu. Si vous voulez participer à un niveau plus important, j'ai expliqué que j'étais en train de mettre en place un système qui vous permettrait de vous créer un revenu passif pour pouvoir monter votre projet et avoir ce revenu quand vous allez arriver. Donc, nous pouvons en discuter. Les séances tête à tête, on va dire, par internet, je vais facturer 35 euros pour 1 heure, 1 heure et demie de discussion, histoire de discuter de votre projet. Vous me présentez, je vous dis ce que j'en pense en premier temps, je vous dis toutes les contraintes et vous voyez si ça vous va.
parce que la Russie, c'est pas pour tout le monde, hein, je le répète encore une fois, c'est pour les gens vraiment motivés. Et comme j'ai dit hein, dans une vidéo, les survivalistes français ici, c'est un peu des bobos du centre-ville. Vous arrivez ici, vous n'êtes pas prêt. Donc, il ne faut pas venir tout seul, il ne faut pas vous installer dans un coin paumé. Je le redis, surtout à la campagne, venez vous installer ici, vous vous adapterez, et dans 3 ans, vous pourrez choisir où vous allez aller vous installer. Si vous voulez pas rester, d'accord? Mais il vous faut au moins 3 ans d'adaptation, minimum. Sinon, voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, essayez d'être un peu moins sur la technique, parce que les personnes qui me disent oui, le micro, c'est pas confortable, etc., le son n'est pas confortable. Les amis, si vous voulez venir en Russie, ne m'écrivez pas ce genre de commentaires. Parce que ça veut dire que vous ne viendrez jamais en Russie, vous allez venir, vous allez repartir dans les 5 jours. Vous n'êtes pas prêt. Si le niveau de son d'une vidéo n'est pas confortable pour vous, eh bien la Russie ne sera pas confortable pour vous. Vous voyez? J'ai pas envie de vous. C'est une façon simple de vous dire d'aller voir ailleurs, mais poli. Mais c'est ça. Je ne veux pas perdre mon temps. J'essaye de faire mon mieux. J'écoute les vidéos moi-même. Je réécoute. Pour moi, le son est correct. J'ai pas des enceintes terribles, mais c'est confortable quand je me réécoute. Voilà. Et voilà. Je pense qu'il y a bien pire que moi. Même des fois, je vois des choses en France où c'est bien pire que moi le son. Donc, si c'est pas confortable pour vous, enfin. Regardez les vidéos en tant que consommateur et qui resterez dans votre divan en France, mais vous n'êtes pas fait pour la Russie. Donc je peux faire une liste de toutes les personnes qui ne sont pas faites pour la Russie, puisque ça fait maintenant 12 ans que des personnes m'écrivent et qu'il y a 2 personnes qui sont venues, 3 personnes qui sont venues, dont une qui est partie en Thaïlande parce que c'était pas possible pour elle, elle avait un problème dans la tête. Elle n'était pas stable cette personne, et une personne qui devait rester 1 an pour tester. Et a pas supporté la ville parce que voilà, c'est les villes russes, il y a de l'activité, hein. C'est pas comme en France où les villes sont mortes maintenant. Les villes russes, il y a du bruit, ça bouge tout le temps. Enfin, c'est un peu l'Afrique, mais en Russie, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est 24-24, donc c'est un peu plus calme la nuit, bien sûr, mais c'est bruyant. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. C'est des villes, bien sûr, on arrive à 1 million d'habitants, donc. Les transports en commun, ils sont bondés à certaines périodes. Enfin, vous voyez, c'est pas confortable la Russie. Si vous venez pour être confort, allez au Monténégro. Voilà. Allez au Monténégro, allez dans le sud de l'Europe, mais venez pas en Russie. Ici, c'est pour les gens qui ont une mentalité de fer, ou même d'acier ou de titane, et une volonté à toute épreuve. Qui vont pas le baisser les bras au premier problème administratif et qui vont pas. Enfin, on peut stresser, c'est sûr, moi j'ai stressé des dizaines de fois, mais ici c'est pour les gens sérieux. Essayez d'être. Voilà. De faire votre introspection, il faut faire votre introspection, votre autocritique avant de venir en Russie. Ce que vous voyez à la télé, ce que vous entendez, voilà, Poutine, machin, tout ça, c'est une chose, mais la vraie vie en Russie. C'est pas pour tout le monde. Ici, c'est pour. Moi, j'espère que s'il y a 3 familles qui vont venir sur les 10 prochaines années, ça sera le maximum. Peut-être en ville, il y aura plus de personnes, mais ces personnes qui vont venir en ville, il y en a 60% qui repartiront d'ici 3 ans, c'est sûr. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles bien positives, sur une vidéo un peu longue, mais. Je suis obligé de faire le tour des projets et c'est difficile de tenir en 5 minutes, de vous expliquer tout ce qu'on peut faire. Ça serait pas sérieux, donc voilà. C'est pour les gens motivés. Les autres, ils font 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et puis ils arrêtent. Allez, bonne journée à tous. À la prochaine fois. Je vais continuer à faire des vidéos depuis ma chambre bien chauffée. Et puis. Vous me laissez quelques commentaires positifs et intéressants et vous me contactez. Je vous réponds, on met en place un rendez-vous et puis on fait le point sur votre projet si vous êtes vraiment motivé.